Du coup, moi, c'est un grand plaisir et aujourd'hui, représenter Mazembe pour une très grande compétition pareille, je pense que c'est une source de motivation, une source de confiance et essayer de donner le maximum de soi pour être à la hauteur de l'attente des supporters et des dirigeants. Aujourd'hui, chacun de nous, nous sommes tous footballeurs et Moleka a fait ce qu'il devait faire, il a mis la barre haute pour nous autres qui sommes venus. C'est à nous maintenant de montrer ce qu'on vaut, c'est à nous maintenant de prouver réellement est-ce que nous méritons ce grand club qui est le tout-puissant Mazembe. Et cela se fait par le travail, par l'efficacité et par l'apport qu'on pourra apporter au club. Et maintenant, Moleka, il est parti, je pense aujourd'hui, c'est une page tournée de Moleka, il reste dans l'histoire. C'est à nous maintenant d'écrire notre propre histoire positive avec le club. Vous savez, moi, avant de venir dans le tout-puissant Mazembe, je savais que j'allais rencontrer une très lourde concurrence. Et je m'étais apprêté à cette concurrence. Je savais que c'est un grand club. Il y a des internationaux comme Béa qui est un très très bon avant-centre. Yada aussi qui est un très bon avant-centre. Donc aujourd'hui, chacun de nous essaie de travailler très fort, essayer de donner le maximum de soi-même. Le choix, il n'est pas facile et après, c'est au coach de choisir. Mais moi, je pense que j'étais venu avec un objectif, c'est de m'imposer dans le club, essayer de laisser mes marques. Et pour laisser ces marques, il faut travailler, il faut être efficace. Et aujourd'hui, je pense que je le fais à mon niveau, je travaille dur, j'essaie d'apporter le maximum possible.